Élu le 10 février dernier à la tête du Centre gabonais des élections, CGE, avec 8 voix sur les 10 électeurs qui ont pris part à ce scrutin biparti, dont 5 membres du parti au pouvoir et 5 représentants de l'opposition. L'élection de Michel Stéphane Bonda ne fait pas l'unanimité. En effet, certaines commissions qui ont pris part à ce vote avaient déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour l'annulation du scrutin. Cependant, la gardienne des Sceaux au Gabon a validé et permis à Michel Stéphane Bonda de prêter serment et de rentrer dans l'exercice de ses fonctions. Une validation de la Cour vue de l'autre côté comme étant une violence de l'article 85 de la loi fondamentale qui commande de suspendre une procédure en instance dès lors qu'elle a été saisie. Ce qui n'a pas été le cas pour l'élection du nouveau président du CGE, malgré le recours déposé par certains représentants de l'opposition gabonaise. Cependant, selon Emmanuel Nzebe Kale, doyen des membres de la Cour constitutionnelle, ceux qui s'appuient sur l'article 85 de la Constitution citée font l'objet d'une fausse interprétation. Toutefois, il est important de signaler que si la présidence du nouveau président du CGE est controversée aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas les résultats des urnes d'août prochain qui ne seront pas contestés, alors que le renouvellement de ce nouveau bureau est la transparence des urnes pour un lendemain des élections apaisées.